avons décidé de venir échanger avec l'autorité de la PNC en ville de Butembo. C'est dans le but d'accompagner l'initiative qu'il a eue, l'autorité qui veut faire respecter les textes, surtout par rapport au mauvais stationnement sur la chaussée. Il est vrai que la population doit retenir, il s'agit d'une lutte légale. C'est la loi qui demande à ce que on ne puisse pas stationner sur la chaussée. Il y a plusieurs conséquences et on expose ainsi la population à plusieurs accidents. Mais toutefois, je devais accompagner surtout au niveau des mesures d'accompagnement parce que cette initiative a été tentée à maintes reprises dans cette ville commerciale de Butembo et l'initiative n'a pas duré. Et donc, on commence l'initiative et d'un coup, on constate et on réalise que la chaussée, une fois de plus, était transformée en parking. Et je pense qu'à ce niveau, ça signifie qu'il y a quelque chose qui manque, que nous devons toujours approfondir avant de nous lasser attraquer les conducteurs et responsables des engins roulants. C'est dans ce sens que je devais apporter ma petite réflexion, parce qu'il n'y a pas de parking pour ces engins. Et dans ce sens, j'ai suggéré au commandant PNC d'entrevoir avec le maire de la ville l'initiative de lancer des parkings. Il y a des espaces qu'on peut négocier. Par exemple, la concession privée de l'EPST à Kavaendi, la rue Monseigneur Catalico, qui a un espace qu'on peut aménager pour la cause. Quand on aura aménagé des espaces pour recevoir ces engins, surtout, c'est surtout les voitures, on aurait déjà prévenu et on passera maintenant à l'étape de la traque des récalistrants parce qu'on aura déjà un espace indiqué pour la cause.